Oh putain, ça sent les heures sup, cette histoire. Fais chier. L'appart est au nom de Max Fulch. Fulch? Quel nom de merde. C'est encore un de ces braqueurs de la rue du Paradis. Encore? Bon ben, prends les empreintes, on fouille l'appart. Non, non, Frat, pose cette bière, on n'est pas là pour ça. Oh, ça va? C'est une bière. 4-4. Tu vois? Quatrième de la semaine, il n'y en a toujours rien trouvé, je te rappelle. Normal, Garcia, ça se passe toujours comme ça avec la pègre. Généralement, ils sont tous morts, qu'on a toujours rien compris ce qui se passe. Tu sais quoi? C'est franchement pas plus mal. Ouais, tous sauf un. Et il a l'air particulièrement énervé, celui-là. Pourquoi il coupe des doigts? Classique, Garcia. Vous laissez une signature, cet abruti. Vachement bon ce machin. Rends-toi utile un peu. T'as rien trouvé de ton côté? J'ai un Château Meb 2019 ici. À mon goût, ça part. On boira toutes les bouteilles que tu voudras quand on aura bouclé cette affaire, ok? Reste concentré, s'il te plaît. Prats! Ouais! 9 mm. Et ça, ça se fait. Ah, ça c'est bien ça. Oh Frat, on n'a pas fini de bosser là. Tu vas voir, avec un petit peu de muscade, ça passe tout seul. Frat, putain, viens m'aider maintenant. Qu'est-ce que c'est bon, putain. Il y a une trappe derrière le meuble. Là, j'allume, on voit rien. Jesus Christ. Putain. C'était ça, Frat. Allez, ouvre une bouteille. Ah ouais. Je vais appeler le boss. Encore un de ces braqueurs de la rue du Paradis. C'est le quatrième de la semaine, il m'a toujours trouvé, je te rappelle. Il a l'air particulièrement énervé, celui-là. Pourquoi il coupe des doigts? Pourquoi il coupe des doigts? Tiens, Bosch.